Bien-aimés, nous gagnons seulement et toujours. Romains chapitre 5, verset 17 nous dit: ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Béni soit Dieu. La vie que nous avons en Christ est une vie de maîtrise absolue et de domination sur les circonstances. Nous gagnons seulement et toujours. Peu importe ce qui se passe autour de vous, maintenez l'état d'esprit d'un victorieux. Jésus a dit : tout est possible à celui qui croit. Cette personne, c'est vous. Ceci est le témoignage de Jésus à votre sujet. Cela fait simplement de vous un superman en Christ. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre un problème et aider les autres à sortir du trouble. Cela fait partie de l'essence d'être rempli de l'Esprit et d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre bouche. Vous devenez inébranlable. Dieu ne veut pas que vous viviez comme une victime de la vie ou des circonstances. Il vous a mis en charge et au contrôle. Il veut que vous utilisiez la parole de Dieu pour maintenir Satan dans la soumission. Il veut que vous utilisiez la parole pour garder votre corps dans la santé et vous maintenir dans la prospérité. Il veut que vous discipliniez chaque situation avec la parole de Dieu. Dieu sait qu'aussi longtemps que vous êtes dans votre corps physique, vous allez faire face à des crises dans la vie. Vous allez compétir avec les forces de l'obscurité. Mais elles ne sont pas un facteur, car il dit: vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Retenons et retenez que vous étiez nés victorieux. Que cela soit l'approche à partir de laquelle vous voyez la vie, vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes le béni de Dieu. Vous avez été adéquatement équipé de toutes les choses bonnes, nécessaires, dont vous avez besoin pour la vie et la piété. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Alors, levez-vous en Christ. Vous ne pouvez jamais être défavorisé. C'est la victoire pour vous jusqu'au bout, dans toutes les choses et en tout lieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Confessons ensemble. J'exerce mon autorité en Christ sur toute la puissance, les stratégies et les manipulations de l'adversaire et je triomphe éternellement. Je suis toujours au contrôle. J'ai vaincu le monde et ses systèmes, ses problèmes et les tentations, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Pour une étude approfondie, lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, Jean chapitre 16, verset 33 et 1 Jean chapitre 4, verset 4. Demeurez richement bénis. Amen.